Fabien, responsable jeunesse de la délégation du Loiret. J'ai mis en place avec Margot, qui est contrat civique sur la jeunesse, le lycée Gauguin et donc Luda qui nous accueille aujourd'hui, ce projet autour du jardinage. Le Jardin Fleuri, c'est un projet Croix-Rouge qui est de faire découvrir à des jeunes le parcours d'un demandeur d'asile. Première demi-journée, présentation des parcours des demandeurs d'asile. La deuxième demi-journée, faire un travail tous ensemble, sans la barrière de la langue, sur la terre. C'est très bien, c'est pas grave, mais c'est bien pour le faire. Ça soulage, donc, moral. L'initiative Red Touch, bah, une plateforme, c'est formidable. Ça nous permet de réaliser des actions, de cofinancer nos actions d'une façon, voilà, remplir un dossier, c'est très simple. Dès la présentation de Luda par la directrice, eh ben, on tombe de haut en écoutant les différentes vies passées des résidents, où on se dit que ça existe, que c'est vrai. Et ça change de l'article du journal. La deuxième partie du Jardin Fleuri, les échanges entre les lycéens et les résidents de Luda étaient beaucoup plus simples. Et donc ça a permis de faire un échange très agréable entre ces lycéens qui étaient vraiment impliqués, qui du coup, je pense, sont ressortis avec une vision différente en étant un peu plus informés. J'ai découvert quelque chose. Entre l'amour, de se donner, de travailler. Moi aussi, j'ai dit, c'est comme ça aussi, c'est participer. On dirait que nous tous, nous sommes égaux.